وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ سَرْوِيتَرْ دَاللَّهِ Nous nous arrêtons aujourd'hui avec une parole du prophète alayhi salat wa salam que nous connaissons presque tous, que nous avons déjà entendu et peut-être que la plupart d'entre nous connaissaient cette parole et ce hadith par cœur. Mais où sommes-nous de sa compréhension, d'une compréhension correcte et de sa pratique? Car la science utile, c'est celle qui te pousse à faire des bonnes œuvres. Tel qui va témoigner pour toi le jour du jugement dernier. Non pas, comme a dit Al-Hassan al-Basri, la science inutile, c'est la science de la langue. Celle qui est sur la langue seulement. Alors que la science utile, c'est celle qui te pousse à pratiquer cette connaissance. Cette science qui est juste sur la langue, qui viendra témoigner contre toi le jour du jugement dernier. Le jour où ni bien, ni enfant ne seront d'aucune utilité. Sauf celui qui se présenta à Allah avec un cœur pur. Ce hadith, c'est le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, et que l'imam Nawawi a choisi de citer dans les 40 hadiths. Le hadith de Abi al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, où il a dit, j'étais assis en groupe derrière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un jour, et il me dit, jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve les ordres d'Allah et Allah te préservera. Préserve les ordres d'Allah et tu trouveras Allah devant toi. Quand tu as une demande, adresse-la à Allah. Et si tu veux demander de l'aide, demande ton aide à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire le moindre bien, alors ils ne te feraient que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils se réunissaient tous pour te faire le moindre mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Les qalam, les plumes du destin se sont levées, se sont arrêtées d'écrire depuis longtemps et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Dans une autre variante qui est rapportée dans le Tarikh, par le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, et aussi par le Daylami. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, préserve les ordres d'Allah, tu trouveras Allah devant toi. Connais Allah dans les moments d'aisance, il te connaîtra dans les moments de détresse. Sache que rien de ce qui doit te manquer ne saurait t'atteindre. Et que rien de ce qui doit t'atteindre ne saurait te manquer. Sache que le secours vient après la patience, et que la délivrance suit la détresse, et que la facilité suit la difficulté. Serviteur d'Allah, ce hadith, comme nous l'avons dit précédemment, nous le connaissons, la plupart d'entre nous, nous l'avons entendu, mais où en sommes-nous de sa pratique? Toi qui cherche à être protégé dans ce monde et dans l'au-delà. Toi qui cherches le bonheur. Toi qui cherches à être apaisé. Alors sache que tu ne peux avoir la protection d'Allah qu'en protégeant et en préservant ses préceptes et sa religion et ses ordres. Celui ou celle qui croit qu'il peut être préservé du mal, qu'il peut réussir dans ce monde, qu'il peut réussir et gagner dans l'au-delà, tout en étant loin des préceptes de sa religion, et en ne préservant pas les ordres d'Allah, il se forge des illusions, et Shaytan l'a trompé et l'a mis sur le chemin de l'enfer. Il n'est pas possible d'espérer la protection d'Allah qu'en préservant les ordres d'Allah. Et là, on voit dans ce hadith
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la modestie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui enseigne à cet enfant d'une manière douce et il attire son attention, il fait une introduction, et ceci est l'affaire de tous les éducateurs qui sont sur le bon chemin et tous les bons éducateurs qui ont pris modèle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attirer l'attention pour pouvoir donner des enseignements essentiels. Il lui a dit, jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. C'est-à-dire des paroles importantes. Donne-moi toute ton attention. Ouvre-moi ton cœur. Concentre-toi sur ce que je vais te dire. Préserve les ordres d'Allah, Allah te préservera. Voilà le fondement de base qu'on doit enseigner à nos enfants. La première chose que chaque adulte et chaque enfant doit connaître, c'est que s'il veut être préservé et il veut la réussite et la permission dans ses affaires, alors il faut qu'il préserve les ordres d'Allah. En pratiquant ses ordres, en délaissant ses interdits, en suivant la tradition de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, en s'éloignant des choses douteuses, après s'être éloigné des choses interdites, et en restant constant et ferme sur la voie correcte. Et tout ceci n'est possible qu'en apprenant la science utile. Car on ne peut connaître la bonne manière de pratiquer les ordres d'Allah qu'en apprenant la science utile, celle qui te pousse à agir. Il lui a dit, préserve les ordres d'Allah, tu le trouveras toujours devant toi. C'est-à-dire qu'Allah va te devancer dans tes affaires. Il va te faciliter. Où tu veux aller, Allah est devant toi, te facilite dans tes affaires, t'ouvre les portes, te met la bénédiction, te facilite l'accès à ce que tu veux faire. Dans l'autre version, connais Allah dans ton aisance, Allah te connaîtra dans ta difficulté. Ceci a plusieurs explications. La première, quand tu es en forme, quand tu es en santé, quand tu as le temps, quand tu as l'argent, connais Allah en étant reconnaissant envers Allah avec ses bienfaits. Connais Allah en utilisant ses bienfaits dans l'obéissance d'Allah. Et quand viendra le moment de la difficulté, Allah te connaîtra et il sera avec toi. La deuxième explication, connais Allah dans ton aisance, c'est-à-dire dans ce bas monde. Dans ce monde où tu as l'aisance de choisir entre le bon et le mauvais chemin. Et Allah te connaîtra dans ta difficulté, Yawm al-Qiyam, le jour de la grande difficulté. Puis il lui a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, si tu demandes une chose, demande-la à Allah. Dans la demande, il y a plusieurs catégories de demandes. Une catégorie qui est propre à Allah. Celui qui la dirige pour autre qu'Allah, il a donné un associé et un égal à Allah et il est sorti par cela de l'islam. Et il est devenu mécréant polythéiste. Cette catégorie-là concerne tout ce que seul Allah peut faire. Comme pardonner, comme faire entrer au paradis, comme préserver de l'enfer, comme donner la victoire sur les ennemis, comme donner la guérison, etc. Par contre, si une demande est faite à une créature présente, c'est-à-dire que ça exclut le mort, car le mort n'est pas présent, il est dans le monde du barzakh, il n'est pas présent avec nous dans ce monde, et ça exclut celui qui est loin. Donc présent, waqadir, est capable. Quand on dit capable, c'est qu'en général, il a été connu par l'expérience que tout homme a la capacité de faire cette chose-là. Ou que des gens comme lui ont cette capacité de faire ces choses-là, bien sûr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'aider son frère à monter sur la monture. N'est-ce pas? Demander à quelqu'un, donne-moi par exemple telle chose qui est par terre, ou bien emmène-moi à tel endroit, ceci ne fait pas partie des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. On peut le demander à une créature. Mais il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quand ils sont entrés en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le pacte de ne jamais rien demander à personne. Rien. Même pas les choses permises. Au point où l'un d'entre eux, il est sur sa chamelle, et sa cravache, elle tombe par terre, il ne demande pas à quelqu'un qui est piéton, qui marche, de lui donner. Il fait arrêter sa chamelle, il la fait s'asseoir, il descend, il la prend, il remonte.
Ils ne demandent jamais rien à personne. Effectivement, les créatures, plus tu leur demandes, plus elles te détestent. Car leur temps, il est limité. Leur capacité est limitée. Leurs richesses, elles sont limitées. Donc quand tu lui demandes, tu lui prends une part de ce que lui, il a besoin. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il se fâche contre la créature qui ne lui demande pas. Et il agrée la personne qui lui demande. Et Allah a des richesses infinies. Et il n'a pas besoin de nous. Contrairement aux créatures. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Une personne lui a demandé. Ô messager d'Allah, indique-moi une action que si je la fais, Allah m'aimera, puis les gens m'aimeront. Il a dit, désintéresse-toi de ce bas monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Effectivement, quand tu vois une personne, elle ne fait que te demander. Emmène-moi là-bas, fais-moi ça, donne-moi ci. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de cette personne, car elle t'occupe. Elle te prend tout ton temps. Parfois même, il va venir dans ton cœur, tu dis, mais pourquoi il demande tout le temps cette personne? N'est-ce pas? Qu'il se débrouille tout seul, qu'il apprenne à prendre ses responsabilités. Et effectivement, ce n'est pas une bonne qualité de demander tout le temps. Au contraire, le croyant s'en remet à Allah. Puis, il use les causes qu'Allah lui a données pour faire ce dont il a besoin. Et il ne demande que quand il n'a pas d'autre moyen. Pareil, il lui a dit, si tu demandes l'aide, demande-la à Allah. La demande d'aide, ça revient dans le même sens que la demande dans le sens général. Il y a la demande d'aide qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala et celle qu'on peut faire à une créature vivante comme cette personne, ce copte dans le Coran qui a demandé l'aide à Moussa, qui a demandé l'aide à Moussa contre celui de la tribu de Pharaon. Et Moussa est venu l'aider, alayhi salam, il lui a mis un coup, il était tellement fort, il n'a pas fait exprès, il l'a tué, alayhi salatu wassalam. Donc ça ne fait pas partie de la demande d'aide ou bien de la demande de secours qui est interdite. Elle est réglementée comme on l'a dit précédemment. Mais en résumé, le croyant s'en remet à Allah et comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. Demande avec énergie ce qui t'est profitable et prends aide auprès d'Allah et ne faiblis jamais. Et si une chose te touche, ne dis pas si j'avais fait comme ça ou si je n'avais pas fait comme ça, car dire si ouvre la porte du shaytan. Dis plutôt, voilà le destiné d'Allah et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Ou bien, voilà ce qu'Allah a destiné et ce qu'il a voulu, il l'a fait. Voilà comment est le croyant. Fort dans la foi, fort avec Allah, car il s'appuie sur Allah subhanahu wa ta'ala et il a une bonne opinion d'Allah, une bonne pensée d'Allah, un bon espoir en Allah. Il n'est pas pessimiste. Puis il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sache que si toute la communauté se réunissait, c'est pas seulement les musulmans, pour te faire le moindre bien, ils ne te feraient que le bien qu'Allah a écrit pour toi. Et s'ils s'unissaient tous pour te faire le moindre mal, ils ne te feraient que le mal qu'Allah a écrit contre toi. Les plumes du destin ont cessé d'écrire depuis bien longtemps et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Ceci nous appelle à plusieurs choses. Premièrement, à placer sa confiance en Allah seul et non pas dans les gens ni dans les créatures. Deuxièmement, à agir avec sincérité pour Allah et à chercher à plaire à Allah seul, n'en déplaise à qui que ce soit. Même si on met en colère l'humanité et on plaît à Allah, alors on a gagné. Cela appelle à la sincérité et à ne pas chercher seulement les apparences. Combien aujourd'hui on a perdu cette sincérité? On est là à essayer de plaire à chacun avec nos paroles, nos actes, nos états. Est-ce qu'on s'est demandé, est-ce qu'Allah agrée cette parole que je dis à cet instant? Est-ce qu'Allah aime cette chose que je fais à cet instant? Est-ce que c'est ce qu'Allah m'a demandé aujourd'hui de faire à cet instant? Ou bien on est là à vouloir avoir une place dans la société, que ce soit dans la société terrestre, parfois même dans la société religieuse.
Au milieu des frères, il faut que je sois bien vu. Faut pas que je montre que je suis ignorant. Faut pas que je montre que... Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ce qui compte, c'est qu'auprès d'Allah, tu sois quelqu'un d'agréé. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tel ou tel ce qu'il pense de toi? Il va t'être utile en quoi le jour du jugement dernier? Il va même pas pouvoir se protéger lui-même. Cette société matérielle, elle nous a appris à faire que attention à ce que lui pense, l'autre y pense, qu'est-ce qu'il va dire sur moi. On n'en a que faire de ce que les gens y pensent de nous. T'es-tu demandé ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah agrée ce que tu fais? Est-ce qu'à cet instant tu es aimé par Allah ou détesté par Allah? Wallahi, serviteur d'Allah. Si le monde entier, tu as fait un acte avec lequel tu as mis tout le monde en colère, mais Allah est satisfait de toi, tu as gagné. Et si tu as fait un acte ou une parole par lequel tout le monde est satisfait, mais tu as mis en colère Allah, tu as perdu. Parmi ces choses, comme on a cité tout à l'heure le hadith, j'en avais oublié une partie, et il m'est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, celui qui apprend une science pour se vanter auprès des faibles d'esprit, et pour polémiquer avec les savants, et pour que les gens tournent sa tête vers lui et disent « Mashallah, lui il connaît », qu'il prépare sa place en enfer. On connaît le hadith d'Abu Huraira, les trois premiers par lesquels l'enfer sera attisé. Celui qui a dépensé, celui qui a combattu et le savant, le lecteur. Aux yeux des gens savants, auprès d'Allah, c'est pas un savant. Donc, ce point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appuie, la base du tawhid, préserver les ordres d'Allah, ne demander qu'à Allah, n'adorer qu'Allah, n'agir que pour Allah, n'attendre que d'Allah. C'est la base de l'islam. Voilà ce qu'il a enseigné à ce jeune homme et voilà sur quoi nous devons tous être éduqués. Puis, pour finir, il lui a dit, sache que le secours ou la victoire vient après la patience, que la délivrance suit la détresse et que la facilité suit la difficulté. Personne ne peut atteindre la victoire sans être passé par le chemin épineux et brûlant de la patience et de la difficulté et de la peine. Sinon, les meilleurs des hommes qui sont les prophètes, alayhim salatu wassalam, ils auraient été préservés de cela. Mais regardez notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien a-t-il subi? Il était le plus honnête des gens. Et les gens, ils le traitent de menteur, de sorcier. Ils le rejettent. Imaginez-vous quelqu'un, il n'a jamais menti de sa vie. Quelle pire insulte que de lui dire menteur. Combien ça lui fait mal? Quelqu'un qui aime le bien pour les autres, qui n'a jamais menti, qui espère que leur bien, tu lui dis menteur. Nous, ça nous fait rien. Parce que malheureusement, on a grandi dans l'ambiance du mensonge et de la tromperie. Mais les gens sincères, purs, c'est la pire des insultes de lui dire menteur. Ils l'ont combattu, ils l'ont empoisonné, ils ont essayé de le tuer, lui ont cassé ses dents, il a été blessé à sa joue, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Ta'ala lui dit, patiente comme ont patienté les prophètes qui ont une grande volonté. Chaque musulman qui se dit suiveur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est suiveur de tous les prophètes. En s'attachant au tawhid al-khalis, au monothéisme pur, et en suivant la sunna du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache que la victoire, elle va de pair avec la patience, et qu'il faut qu'il patiente sur le chemin de la pratique de l'islam et de la transmission de l'islam pour pouvoir espérer la victoire et la réussite et la délivrance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'il ait la certitude au fond de lui qu'Allah a écrit la victoire à cette religion et aux gens de cette religion. Comme il l'a dit dans le Coran. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette religion va entrer dans chaque maison. Chaque maison de ville ou de campagne. Elle va honorer celui qui va l'accepter, elle va avilir celui qui va le refuser. Mais elle va entrer. Et Allah va parachever sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Et après la difficulté, vient la facilité. Pour finir, tout ceci n'est possible que si on s'attache à ces principes-là. Si la communauté revient à l'islam,
préserve les ordres d'Allah, préserve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprenne qu'est-ce que c'est le chemin de la sunna pour s'y attacher, s'éloigne de tous les chemins qui contredisent la sunna pour ne pas encourir la colère d'Allah, puis reste constant sur cela en s'en remettant à Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne les difficultés de cette communauté et qu'il lui donne une victoire rapide sur le Coran et la sunna du prophète alayhi sallatou wa salam et qu'il unisse tous les musulmans sur la vérité. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا ما يحب وارضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين واحفظ الضعفة من المسلمين يا رب العالمين اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علماً.